Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de voyage astral avec un invité. Nous allons voir en quoi ça consiste, est-ce qu'on sort vraiment de son corps, et qu'est-ce que la science en pense à ce sujet. C'est ce que nous allons voir dans ce 9e épisode. Bienvenue dans ce 9e épisode. Aujourd'hui, on va parler de voyage astral. On utilise aussi le terme projection astrale ou sortie astrale, ou simplement sortie du corps. Alors, comme il s'agit d'un thème assez complexe et peu connu, je ne me voyais pas en parler sans pouvoir m'appuyer sur le témoignage d'une personne qui a vécu ça. Et du coup, comme pour toutes les autres expériences un peu « étranges », entre guillemets, c'est difficile de croire quand on n'a pas vécu la même chose. Comme pour les personnes qui disent avoir vu, senti ou entendu quelque chose de paranormal, sans l'avoir vécu, on ne peut pas juger. Donc, je vous invite à écouter cet épisode sans forcément poser un jugement et laisser votre logique de côté. Donc, je vous propose qu'on accueille notre invité qui est Miguel. Alors, salut Miguel. Salut. Du coup, je voulais peut-être commencer par... te laisser te présenter, puis ensuite on abordera le sujet, comme ça les gens ils peuvent savoir qui tu es. Alors oui, donc je m'appelle Miguel, j'ai 23 ans. Est-ce que tu veux expliquer peut-être ce que tu fais dans la vie ? Alors oui, donc actuellement je fais une année de maturité sociale, donc c'est une année de pratique, hein, donc une année de stage qui me permet d'avoir une certaine expérience dans un certain domaine. En l'occurrence là c'est le domaine des handicapés, et donc je dois être en quelque sorte... Je suis en train de suivre une formation pour accompagner ces personnes en difficulté, pour, dans le futur, exercer un métier dans ce milieu. Ok, super. Alors, est-ce que ça te dirait, du coup, d'expliquer donc ton expérience? Donc, tu as vécu une sortie astrale. Et est-ce que tu as envie, du coup, d'expliquer dans quel contexte ça s'est passé d'abord? Et ensuite, ben, de nous expliquer tout simplement qu'est-ce que tu as vu, comment ça s'est passé, etc. Alors ouais, donc je vais d'abord expliquer un peu le contexte. Donc la première fois que ça m'est arrivé, c'est venu tout à fait naturellement. Je cherchais même pas à faire ce genre d'expérience, c'est-à-dire que... Tu connaissais pas en fait, tu savais pas non, que c'était possible. Non, je ne connaissais pas ce domaine. Pour moi, c'était tout à fait nouveau pour moi. Et c'est pour ça que ça en fait encore plus quelque chose de magique. Donc c'était une matinée comme une autre, hein. Je m'étais réveillé un peu plus tôt que prévu. Et puis je me suis dit bon ben j'ai encore le temps de dormir, donc je vais me recoucher, mais j'avais déjà dormi assez longtemps durant la nuit pour on va dire être bien reposé, mais je m'étais décidé à ce moment-là de me rendormir. Et à ce moment-là j'étais tout simplement en train de me détendre sur mon lit. C'était encore assez tôt le matin, donc je me suis dit je vais encore rester un peu me reposer. Ouais, tu voulais genre voir si t'allais te rendormir quoi. Voilà. C'était pendant une période de vacances, donc j'avais pas à me lever tôt particulièrement. Et puis c'est là que j'ai senti un peu mon corps, on va dire, être un peu très très détendu. C'est comme si, c'est assez drôle, mais c'est comme si vous étiez à la limite de vous endormir, mais vous étiez encore éveillé. C'est ces moments-là où vous êtes très relâché. Ouais, t'es trop bien, t'es là. Très relâché. Et à ce moment-là, j'ai même pas prêté attention à comment je me sentais, j'étais simplement bien. Et ça s'est passé très rapidement, c'est-à-dire que j'ai senti mon corps tout d'abord un peu vibrer, mais je me suis dit bon ben, enfin à ce moment, dans ces moments-là, vous faites pas très attention à comment vous vous sentez, hein. C'est vous laissez aller tout simplement, jusqu'à un moment où j'étais tellement relâché que mon corps a décidé d'entrer dans cette paralysie du sommeil, on appelle ça. Mais au début, je me rendais tellement pas compte, tout simplement parce que j'étais très détendu. C'est juste quand j'ai commencé à vouloir me bouger un petit peu, donc passé peut-être 2 minutes, 3 minutes, donc c'est venu assez rapidement, j'ai vu que j'étais quand même comme si j'étais un peu bloqué. J'étais prisonnier de mon corps. Et ça, du coup, on peut expliquer, on peut expliquer la paralysie du sommeil. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui en font.
Et c'est vraiment quand vous avez l'impression, vous avez envie de bouger, vous êtes conscient, mais votre corps est complètement bloqué. Voilà. Voilà, ouais. Donc, d'après ce que j'ai pu voir, je me suis un peu renseigné, c'est le corps, c'est un système de défense. Hein. Donc, le corps induit une paralysie totale des muscles, pas de tous les muscles, mais des muscles, on va dire, des mouvements. Et ça permet ainsi au corps d'avoir une sorte de protection dans le cas où on ferait un rêve dans lequel on bougerait. D'accord. Pour éviter que l'on se blesse pendant qu'on dort. Dans mon cas, bon, moi, j'étais paralysé, mais ce qui fait peur, entre guillemets, mais sur le moment, j'avais pas peur, je vous rassure, c'est que, ben, on pourrait dire, ben, j'étais conscient et je ne pouvais pas bouger. Pourtant, j'avais toujours, ce qui rend la situation encore plus confortable, j'ai envie de dire, c'est que j'étais vraiment à deux doigts de m'endormir. Donc, si je décidais à tout moment que je voulais dormir, je pouvais. Donc ça a pu quand même, on va dire, aider à me déstresser du moment que je pouvais pas bouger. Donc, j'étais complètement paralysé à ce moment-là. Et puis sur le moment, c'est vrai que ça m'est venu à l'idée que j'avais déjà entendu parler de ces paralysies du sommeil et que certains notamment arrivaient à se détacher de leur corps. Ça m'est venu en tête sur le moment et je me suis dit, tiens, bon, j'ai qu'à essayer. Parce que c'est vrai que sur le moment, en fait, vous ne pouvez rien faire. Vous avez deux choix. Soit vous vous rendormez, vous vous endormez, vous vous laissez aller dans le courant, soit vous cherchez un peu plus loin, vous essayez un peu de creuser ce qui se passe avec votre corps. Et moi, comme je suis quelqu'un d'assez curieux de base, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Mais je vais essayer de chercher. Et puis, comme j'avais déjà un petit peu vite fait, hein, vu que ça pouvait arriver, cette paralysie du sommeil, etc., je suis donc sorti de mon corps, mais de façon très, très, on va dire comment ça, très naturelle, mais très involontaire. J'avais pas souhaité sur le moment sortir de mon corps, en gros, je voulais pas sortir de mon corps, mais je me suis retrouvé comme sur le plafond. Donc c'est arrivé très très rapidement, sans que je le veuille. Juste le fait d'avoir pensé au fait que dans ces moments-là, apparemment, on pouvait sortir du corps, mon corps s'est retrouvé dehors, comme si j'avais émis cette petite volonté de « tiens, j'ai envie d'expérimenter ce qui se passe avec les autres, j'ai aussi envie de le vivre ». Je ne me suis pas dit dans ma tête « tiens, j'ai envie de voir, alors je vais sortir de mon corps, tiens, je vais me répéter ça pour que ça marche ». Non. C'est venu tout à fait naturellement. Ok. T'as pas eu à faire grand effort, non. Ni à t'imaginer, en fait. Pas du tout. T'as juste dit, toi, j'aimerais bien essayer. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est que comme s'il y avait une partie de différence entre la partie cognitive, hein, donc la partie qui réfléchit, et la partie tout simplement spirituelle, hein, que l'on a. C'est-à-dire que là, je n'ai même pas eu à penser pour que ça s'arrive, pour que justement cet événement arrive. Je me suis donc retrouvé devant le plafond. Donc, il faut vraiment vous imaginer comme si votre corps se soulevait, hein, comme on le voit dans les films. Mais vous inquiétez pas, on ne voit rien. Disons que je me suis juste... ma conscience s'est déplacée sur le plafond. Donc, j'étais couché sur mon dos. Sur le lit. Et tout à coup, je me suis retrouvé comme face au plafond. C'est-à-dire que je ne voyais rien, mais je sentais que j'avais pris de la hauteur. Et en fait, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'à ce moment-là, je n'étais pas inquiet. J'étais encore une fois, cet état de mi-endormissement, mi-réveil, vous aide à déstresser et à vous détendre beaucoup, de telle sorte à ce que c'est limite presque un rêve. Mais vous savez que ce n'est pas un rêve, parce que vous êtes quand même, vous avez une conscience plus poussée que d'habitude. Donc je me suis retrouvé devant le plafond, donc vraiment je sentais que j'étais devant un mur blanc. Hein. Ouais, tu vois, en fait, ouais, t'étais genre le nez collé au plafond. Exactement, comme si on vous poussait, comme si une force vous poussait. Une force, il n'y a pas de force, hein, vous allez me dire, mais c'est comme si voilà, vous étiez très léger tout à coup, donc vous êtes au plafond. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ah bah voilà, je sais ce que c'est, je sais ce que je suis en train de vivre. Je sais ce que je suis en train de vivre. Et un truc intéressant qui me revient à l'instant, c'est que je me souviens qu'à ce moment-là, mon cerveau a essayé de reprendre le dessus. Ok. Et je faisais des hauts et des bas avec mon corps. C'est-à-dire que mon cerveau s'est dit, tiens, je me rappelle de ce que c'est. Du coup, je vais être... je me retrouvais parfois de nouveau dans mon corps, paralysé, et en un instant, au plafond. Donc ça faisait des va-et-vient, en fait. Ah, c'est drôle. Parce que mon cerveau avait une sorte de bataille, on va dire, avec mon inconscient. Donc, il y avait la partie consciente et inconsciente qui était un peu en conflit. Il y avait la partie consciente qui voulait savoir ce qui se passait, contrôler le tout. Donc, j'étais dans mon corps. Et la partie inconsciente qui disait, mais laisse aller. Lâche prise. On va voir ce que c'est. C'est vraiment difficile à faire. Hein, mais quand vous êtes dans cet état d'endormissement, on va dire qu'il y a plus de force dans votre inconscient. Donc, les deux sont un peu en forces égales. D'où l'importance d'être vraiment dans cet état de conscience semi-éveillé. Mais je devais vraiment lâcher prise pour ne pas me réveiller et enlever cette paralysie du sommeil. Et puis, parce que j'étais curieux, je voulais voir ce que ça allait donner.
Donc j'étais devant le plafond. Je me suis dit, ok, j'étais dans cet état de mi-plafond, mi-corps, etc. Donc je faisais vraiment des petits voyages très rapides. Je me suis dit, ok, je vais lâcher prise, j'arrête de penser, je me laisse guider. Et une fois que j'ai pensé de cette façon-là, une fois que je me suis dit, ok, je m'en fous ce qui m'arrive, je laisse aller, je me suis tout simplement laissé aller. Et ma conscience, au lieu d'être limitée au plafond, c'est, on va dire, élargie. Quand je veux dire qu'elle s'est élargie, c'est-à-dire que j'ai vraiment commencé à sentir que je pouvais percevoir plus que seulement ce que voyaient mes yeux. C'est très difficile à expliquer parce que mes yeux ne voyaient pas. Mais on va dire que la conscience est très liée au corps. Et donc, en tout cas, quand je suis sorti du corps, je gardais la même vision que mes yeux avaient. J'étais très linéaire. Mais tout à coup, petit à petit, plus je me détachais du corps, plus ma vision prenait celle de la vision, on va dire. Prenait de l'ampleur, on va dire, hein. Donc je me détachais de plus en plus de corps, donc on appelle ça le détachement du corps. Donc petit à petit, la vision n'était plus limitée à celle de nos yeux. Est-ce que c'était 360 degrés? Est-ce que, enfin, ou est-ce que t'as une autre façon d'expliquer ce que c'était? C'était presque 360 degrés, mais c'est vrai que on pourrait, c'est difficile à expliquer avec les sens humains parce que c'est pas du tout la même chose, mais c'est vrai que de l'autre côté, j'avais vraiment l'impression de voir toute ma chambre. Donc j'avais l'impression que je n'étais plus limité à voir le plafond, donc en vision, on va dire, linéaire, hein, mais que petit à petit, plus je me relâchais, plus je me détendais et j'acceptais ce qui m'arrivait, plus je voyais tout ce qui m'entourait. Je devenais la chambre en elle-même. D'accord. C'est très particulier parce que Ouais, tu ressentais la chambre. C'est voilà, ça, en fait, je c'est tout le devenais la chambre, ressenti. mais quand je dis je deviens la chambre, c'est pas, voilà, je suis un meuble ou autre, hein, c'est pas aussi superficiel que ça. Je suis la chambre veut dire je suis l'environnement. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de regarder les choses pour les percevoir, les comprendre. C'est ça qui en fait la subtilité. Donc c'est pas du tout, je sais, comment dire, je pouvais savoir tout ce qui se trouvait dans ma chambre en un instant de seconde sans même y regarder. C'est comme si vous avez conscience de tout ce qui s'y trouvait sans devoir prêter un regard. Je suis resté comme ça un moment et ce qui est assez étrange, c'est que le fait de participer, en fait, le fait de subir en fait ce qui m'arrivait. Parce que c'était limite, je subissais hein, ce qui m'arrivait, c'est je contrôlais pas, je ne voulais pas le vivre, je me laissais juste aller. Et on va dire, on m'offrait cette vision, enfin, en ce qui met, on l'offre à tout le monde hein, si on suit cette expérience, mais je n'ai pas cherché à l'atteindre avec force. C'est là la grande subtilité, c'est qu'il faut vraiment se laisser aller, lâcher prise, parce que c'est un domaine où la volonté, enfin, la force et la force mentale ne fait pas, N'a pas sa place, n'a pas sa quoi. place, n'a pas de force. Parce que sinon, vous vous réveillez, le cerveau reprend le dessus. Il faut vraiment se laisser aller. Et donc là, j'ai vu cette chambre. Et j'ai vu cette chambre, on va dire, je sentais l'environnement ambiant. Et je me souviens avoir dit la chose suivante. Tiens, c'est marrant, je sens la chambre, je suis plutôt bien où je suis. Je suis à l'aise parce que je connais cet environnement. Mais je n'étais pas effrayé. Hein, ce moment, on pourrait se dire, je suis effrayé, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, et puis tout à coup se dire, mais d'habitude, je vois pas les choses comme ça. C'est vrai que là, on sentait les choses très différemment. Mais là, je me suis dit, tiens, bon, je me laisse aller, et puis on va dire, mon regard, ma perception, on va plutôt parler perception, parce que c'est plus le regard qui entre en jeu là, c'est la perception. Ma perception s'est plutôt tournée vers un côté très lumineux qui était la porte. La porte était ouverte. Et c'est comme s'il y avait derrière cette porte, donc qui donnait vers le salon, encore plus de choses à voir, encore plus d'énergie ou on va dire, de matière, entre guillemets, de choses à voir. Et j'étais, on va dire, curieux d'aller voir ce qui se passait. Mais comme je marchais pas, j'étais, entre guillemets, en train de flotter, j'étais une sorte d'énergie volante, hein, entre guillemets. Encore une fois, moi, je me voyais pas. Hein. C'est pas, on peut pas voir ses mains, on peut pas voir ses pieds quand on est dans cet état-là. On a une sorte de vision, on a une sorte de perception globale de l'environnement. Mais ma concentration, on va dire mon focus, hein, de la partie dans laquelle je dirigeais ma concentration, c'était la porte. Je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie d'aller voir le salon, je suis curieux de voir comment ça se fait, comment je me sens dans le salon. Et donc, je suis allé dans le salon, mais je me suis pas rendu à pied ou je me suis pas rendu en volant, hein, comme on pourrait l'imaginer dans les films. J'ai juste le fait de regarder la porte et d'avoir émis le souhait de se dire, tiens, comment ça doit être au salon? Je me suis retrouvé au salon. C'est instantané en fait, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Et je me souviens qu'au moment, c'était à une seconde, je regardais ma chambre, enfin j'étais dans ma chambre, et la seconde après, j'étais au salon. Juste parce que j'avais limite regardé, en tout cas porté mon attention sur cette lumière qui émanait de la porte qui donnait vers le salon, je me suis dit, je vais me diriger vers le salon. Et j'étais au salon. J'ai pas vu le chemin, j'ai pas vu le cheminement, je me suis pas vu passer la porte, je me suis pas vu passer le couloir, j'étais au salon. Parce que en fait, dans ma tête, je visualisais et j'imaginais comment ça allait être le salon et j'étais dans le salon.
Et au salon, c'est là qu'il s'est passé le plus de choses impressionnantes. Donc, Et du coup, attends, tu étais au plafond aussi au salon? j'étais Ou en au, fait... j'étais au, j'étais au plafond. Au tout début, j'étais aussi au plafond. Donc, D'accord. j'étais vraiment, disons que c'est vraiment un environnement spécial. C'est-à-dire que en tant que cerveau cognitif, en tant que cerveau à la terre à terre, là, j'ai une image comme quoi j'étais au plafond. Mais encore une fois, c'est peut-être une image erronée de la chose. J'étais pas vraiment au plafond, j'étais tout simplement Le salon en le salon. soi. J'étais en apesanteur, enfin, comment dire, Ouais. j'étais en train de flotter. D'accord. J'étais pas rattaché au sol avec mes pieds, mes jambes, etc. J'étais pas voué à comment on appelle ça? La Gravité. gravité. J'étais pas voué à la gravité, j'étais tout simplement en train de flotter. J'étais cette énergie un peu flottante de l'environnement. Et donc j'avais passé cette première phase. Je m'étais sorti du corps, j'étais collé au plafond de ma chambre, j'étais, on va dire, dissous avec la chambre, j'étais devenu la chambre et j'étais devenu cette énergie. J'avais circulé, j'avais pu circuler, m'immiscer, on va dire, dans cette énergie, on va dire, spirituelle, si on peut appeler ça comme ça. Et à partir de là, j'allais partout, on va dire, je pouvais couler partout, je sentais que j'avais décroché de mon corps. Et c'est à ce moment-là que j'ai repris un peu plus de conscience. Et j'ai trouvé, à ce moment-là, quand j'étais dans le salon, que malgré le fait que j'étais conscient et de plus en plus conscient de ce qui m'arrivait, je ne me réveillais pas. Alors qu'avant, quand j'étais sur mon lit en train de me décoller, entre guillemets, et j'étais au plafond, plus j'essayais de comprendre ce qui se passait, plus je sentais mon corps se réveiller. D'accord, ok. Mais là, j'étais déjà à un autre stade où je pouvais essayer de me concentrer et savoir ce qui se passait, que je sentais que je n'étais pas dans mon corps. Je sentais que je ne me réveillais pas, en fait. Et c'est là que je me suis dit, tiens, ah ben voilà les étapes. Hein, je me suis décollé de mon corps, j'étais dans ma chambre, première vue, et là, je me voilà au salon. Et ce qui est très intéressant, c'est que je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter à un moment-là, je vais me reposer et je vais voir un peu tout ce qui m'entoure. Je vais un peu analyser l'environnement parce que c'était tout nouveau pour moi. Donc j'étais vraiment dans un environnement très lumineux. Mais ce n'est pas cette lumière hein, que vous avez, quand vous allumez une lampe ou quand vous regardez dans un endroit éclairé par le soleil. C'est une lumière très éblouissante. C'est-à-dire qu'elle est éblouissante, mais vous pouvez la regarder. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait une lampe très forte qui vous éblouissait et vous aviez une sorte de. Des sortes de. Votre vision, elle est trouble, on va dire. C'est comme si votre vision, elle était trouble. Vous voyez un peu l'environnement qui est un petit peu éthéré, qui est un petit peu, on va dire, très superficiel. D'accord. Je ne veux pas aller plus dans le détail, hein, parce que je ne sais pas vraiment ce que ça signifie. Je sais pas vraiment. Voilà, je sais pas vraiment ce que ça voulait dire. Mais comme si, finalement, l'environnement qui m'entourait n'était plus si important que ça. Comme si j'étais dans un autre plan de la réalité. Ah oui, d'accord. C'est comme si, en fait, moi, comme tu m'expliques, je vois ça comme un calque. T'as J'avais ta exactement cette idée en tête, réalité ouais. et ensuite t'as un calque transparent Voilà. par-dessus et un autre et un autre et un autre. Voilà. Et toi, tu te retrouves dans un de ces calques Voilà. où, du coup, comme tu dis, ce qu'il y a en dessous, c'est plus autant important que le calque en lui-même. Voilà. Ok. Vous imaginez, vous avez un dessin. Un dessin clair, net et précis. Voilà, c'est la réalité. Et vous mettez une feuille De papier calque de papier dessus. calque dessus. Et le dessin devient un peu trouble. Je voyais la réalité comme ça. D'accord. Mais sur ce calque, il y avait des choses, notamment que dans le dessin d'en dessous, il n'y en a pas. Voilà, ok. Il y a des choses qui se rajoutent au dessin lui-même. Ces choses-là, c'était notamment la lumière déjà. La lumière était très très forte on va dire, dans ce monde. Je vais appeler ça monde. C'est pas vraiment un monde, on va dire, mais dans cette réalité. C'était très très fort. Je me souviens parce que j'ai regardé par la fenêtre du balcon, donc du salon, et j'arrivais pas à voir l'extérieur. Et je me souviens sur le moment, je me suis dit, tiens, c'est dommage, je voulais voir en fait dehors comment c'était. Je voulais voir un peu les arbres, l'herbe, les voitures qui passent. Je voulais voir un peu, j'étais curieux. Ce moment-là, je me suis dit, tiens, ça va être intéressant. Peut-être que dehors, il y a un autre monde. Vous savez, j'avais plein d'idées en tête. Alors qu'en fait, c'est très simple. C'est très très simple et très très calme. On voit rien. Moi, personnellement, je n'ai rien vu. Est-ce que peut-être ma conscience n'était pas assez forte pour me dire, je vais voir dehors, ou peut-être qu'il fallait que je ressente l'envie de. D'aller Peut-être, dehors, ou de me peut-être. déplacer, ou Ouais. je sais pas vraiment, mais je me souviens que sur le moment, je m'étais resté bloqué au salon. Mais tu voyais du noir, enfin c'était noir dehors, du coup tu voyais. Non, c'était cette lumière éblouissante. Ah C'est comme s'il y avait oui. des gros projecteurs, en fait, Ouais, qui ouais, illuminaient le balcon. Et c'est comme si c'était une pièce de théâtre. Je ne voyais pas dehors. C'est comme D'accord. si l'environnement était limité Ok. à l'appartement. Mais je me souviens que cette pensée est très vite partie parce que sur le moment, quand j'étais dans le salon, donc je ressentais tout ce qui se trouvait dans le salon. Mais, et là, ça peut effrayer quelques-uns, je sentais tout à coup que je n'étais pas seul. C'est-à-dire que quand j'étais dans ma chambre, je sentais que j'étais tranquille, j'étais tout seul. En tout cas, je ne prêtais pas attention à ce qui m'entourait plus que ça. Je savais que je ressentais la chambre, les meubles, etc. Mais je n'en sentais pas de personne. Je ne m'intéressais pas à voir si les autres personnes qui vivaient dans cet appartement étaient là ou pas.
Mais je m'intéressais donc pas à ces personnes, mais je savais à ce moment-là dans le salon qu'il y avait quelqu'un en plus avec moi. Mais c'est encore une fois, pour parler à quelqu'un qui est terre à terre ou vous qui écoutez ce podcast, hein, c'est difficile à expliquer. Parce que vous, s'il y a quelqu'un avec vous dans la pièce ou dans un appartement, vous le savez par le bruit qu'il fait ou parce que vous savez qu'il est là. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'il y a une personne avec vous sans l'avoir vue ou l'avoir entendue. Dans ce plan de la réalité, c'est très différent. C'est-à-dire que vous arrivez à percevoir ce qui vous entoure sans le voir. Et je savais qu'il y avait une entité, on va dire entre guillemets une entité, parce que je ne sais pas ce que c'était, mais une sorte d'énergie en plus avec moi dans le salon. Tu la ressentais, tu la voyais pas pour l'instant, Voilà. tu la ressentais Voilà. simplement. Tu savais qu'il y avait quelqu'un Voilà, ou quelque chose. je sentais qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un, Voilà. je ne sais pas encore, mais en tout Ouais. cas, c'était quelque chose. Et c'était quelque chose qui se différenciait des meubles, hein. Donc c'était pas l'environnement, c'était quelque chose qui venait en plus. Donc j'avais l'impression que c'était quelque chose qui appartenait à ce calque. Donc ça ne faisait pas partie du dessin en dessous, qui était trouble et que je voyais, mais que je ressentais et que je devenais lui-même. Mais je sentais quelque chose sur ce calque qui s'était rajouté à ma réalité, à ce que je percevais. Et à ce moment-là, ma perception s'est tournée vers le couloir qui donnait vers ma chambre. Je sentais que là, il y avait une densité d'énergie. Je sentais que là, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait quelque chose, et effectivement, quelques secondes après, mais c'est venu très rapidement, j'ai vu une sorte de densité, une sorte d'ombre, on appelle ça une ombre, hein, encore une fois, j'appelle ça ombre, mais ce n'est pas vrai, c'est pas vraiment considéré comme une ombre, parce que de l'autre côté, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas ces choses que l'on voit dans ce monde, on va dire, entre guillemets. C'est très basé sur le ressenti. Peut-être que mon ressenti, tout simplement, voyait là beaucoup d'énergie. Et me l'a fait savoir en montrant une partie concentrée, on va Ouais. dire, de vision. Voilà. Et je sentais que cette forme, mais pour simplifier, j'appelais ça une sorte de boule noire, hein, s'est dirigée très rapidement vers mon corps. C'est-à-dire que je sentais et je savais qu'elle allait vers mon corps. D'accord. Donc, Vers qui était couché. ton corps Mon physique, corps couché physique, dans ta chambre. mon corps, ce qui était sur mon lit. Tu savais, Voilà. sans voilà. Il me l'a pas dit, on va dire, Oui, hein. Cette tu énergie, sentais cette qu'elle. entité, je ne sais pas ce que c'était. Certains vont penser que c'est un fantôme, je ne pense pas, parce que sinon j'aurais reconnu, ou en tout cas, je pense qu'on aurait reconnu. Mais c'était une énergie, une certaine entité, une certaine chose qui devait être là, qui s'est dirigée vers mon corps physique. Je savais, c'est-à-dire que j'étais au salon, je ne voyais pas mon corps, je ne sentais pas mon corps, j'étais devenu le salon, j'étais dans cet environnement, mais je savais où est-ce qu'il allait. C'est-à-dire que sur le moment, je me suis dit, ah ben tiens, cette énergie-là fait son travail. Et c'est ça qui est encore la chose la plus étonnante. C'est que bon, sur le moment quand ça m'est arrivé, pardon, je ne me suis pas posé la question. Les questions sont venues quand je me suis réveillé. Et je vous expliquerai après. C'est-à-dire que sur le moment, je me suis dit, je vais le laisser. Je vais laisser faire parce que je sais ce qui va se passer. Et je savais à ce moment-là que j'allais me réveiller. Et c'est ce qui s'est passé quelques secondes après. Je me suis retrouvé réveillé dans mon corps. En fait, ce qui s'est passé, j'en déduis la chose suivante, donc je me suis réveillé après, mais que sur le moment où j'étais dans le salon, donc j'étais, on va dire, omniprésent, on peut appeler ça comme ça, mais c'est un grand mot, hein, pour dire omniprésent, hein, on n'est pas, voilà, on est omniprésent, c'est-à-dire qu'on est la pièce, on n'a pas d'entité, on n'a pas une entité, on va dire, individuelle, on n'est pas une petite chose, on est cette énergie qui circule, on est tout. Et quand j'ai vu cette énergie noire, un peu, cette masse noire, on va dire, cette masse d'énergie très concentrée, très forte, hein, et sa présence était très forte parce que finalement ma concentration est allée dessus directement, je n'ai pas pu regarder ailleurs, je savais, elle était là, donc elle me le faisait savoir. On dirait qu'elle voulait me faire savoir qu'elle était là. Et quand elle est passée, c'est comme si elle m'avait envoyé un message en disant, bah, je vais te réveiller, tiens. C'est très particulier, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu à parler avec moi, hein, donc on n'a rien échangé, on n'a pas parlé. Hein, elle ne m'a pas regardé parce que T'as je pas n'ai vu pas vu de ses yeux ni yeux, je rien, n'ai pas vu de forme humaine, hein, donc c'est ouais. vraiment une énergie qui est passée par là, mais qui était très familière pourtant parce que je me souviens que sur le moment, je n'ai pas eu peur. C'est-à-dire que quand j'étais dans ce plan de la réalité, je savais que cette énergie faisait son travail, je savais qui c'était, on va dire, enfin, qui c'était, je ne sais pas, c'est une personne, mais je savais que cette présence était là où elle devait être. Ce D'accord. n'était pas quelque chose d'étranger. C'était tout à fait naturel qu'elle passe par là et qu'elle se dirige vers mon corps. C'est ça qui est étonnant. Sur le moment, je ne me suis pas posé plus de questions. Je me suis dit, je vais la laisser faire. Et je suis resté au salon. Et c'est là que j'ai senti une sorte de vertige et je me suis réveillé et je me suis retrouvé dans mon corps. Mais c'est passé très D'accord. rapidement. Quand elle est passée, cette énergie, ça s'est passé en très peu de secondes, une fraction de seconde. J'ai eu cette sorte de, entre guillemets, révélation de se dire, elle est là parce qu'elle doit être là.
Je suis familier avec cette énergie et je sais ce qui va se passer avec mon corps. Je sais que je vais me réveiller. Donc, c'est toutes ces choses-là sont arrivées très rapidement. Et je me suis comme senti happé à ce moment-là, comme aspiré très rapidement vers mon corps. Et je me suis retrouvé réveillé. Et c'est là, donc, quand je me suis réveillé, j'étais couché sur mon dos. J'ai ouvert les yeux, je me souviens, et je me suis dit, tiens, mais je me suis pas autant posé de questions que je me pose maintenant. C'est-à-dire que quand je me suis réveillé, j'ai commencé vraiment à avoir des peurs, on va dire des craintes, des doutes, des questionnements sur mais qu'est-ce qui m'est arrivé, je ne comprends pas, j'aurais voulu être encore plus longtemps. Et c'était quoi cette masse noire? C'était bizarre parce qu'elle ne m'effrayait pas. On pourrait croire, hein, donc quelqu'un qui entend ce podcast, il va se dire ça fait peur, j'ai pas envie de vivre la même chose, ça a l'air effrayant. Mais sur le moment, comment vous dire que vous êtes tellement détaché du corps et de ces peurs, de ces craintes donc, qui viennent du cerveau, etc., que sur le moment, vous ne pensez pas, on va dire, vous ne donnez pas d'étiquette aux choses. T'essaies pas d'expliquer ce que tu vois ou ce que tu ressens. On n'essaie pas d'expliquer les choses, on les ressent. Et quand vous ressentez les choses, vous expliquez pas les choses, hein, vous les sentez. Il y a une grosse partie qui est très différente entre le cerveau et, on va dire, l'esprit, entre guillemets. Et je m'étais donc retrouvé sur mon lit, en train de me poser plein de questions. Je ne comprenais pas. Je savais la première partie de ce qui m'était arrivé, je savais, hein, donc j'étais sorti de mon corps, c'est cette projection astrale. Mais après, donc ce qui s'était passé, mon ressenti, pourquoi est-ce que je voyais cette lumière éblouissante, enfin, cet environnement très éblouissant, très flou, je ne sais pas pourquoi. Je me suis posé la question après. D'accord. Et cette énergie noire, finalement, j'en ai déduit après que sur le moment, je devais la connaître. C'était quelque chose de familier. C'est quelque chose que je pense tout le monde connaîtrait s'il était à ma place. Parce que je ne me suis pas posé de questions à se dire, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une énergie négative? Est-ce que c'est la magie noire? Je ne sais pas ce que c'est. Surtout que je n'avais jamais entendu parler de cette énergie noire, hein, qui se dirigeait. Enfin, c'était pas noir, entre guillemets. Attention, je vais enlever. Oui, tu donnes du noir, mais comme tu dis, au final. C'est très concentré. Ouais. J'ai l'impression que mon cerveau, quand je me suis réveillé, a voulu mettre des mots sur ce qui s'était passé dans l'autre monde, entre guillemets. Mais comme dans l'autre monde, il y a d'autres lois physiques, entre guillemets, d'autres lois, on va dire, de vision ou de perception qui ne sont pas les mêmes que dans notre monde physique actuellement, il doit mettre des mots dessus. C'est comme passer une image 3 dimensions en image 2 dimensions. Il faut qu'il y ait une, on va dire, de traduction. Ouais, voilà, c'est comme tu dis, ouais, c'est une sorte de traduction entre. Voilà. Comme quand on passe d'une langue de chinois à français. Ben, c'est une traduction. C'est vraiment. Voilà. C'est la même chose pour certaines langues, je pense. Certaines langues, un mot peut signifier tristesse et dégoût, mais si vous le traduisez dans une autre langue, en français, ça va donner un mot qui veut juste signifier mépris. Peut-être que ça va juste avoir un problème de traduction qui va changer la perception que l'on a de la chose. C'est-à-dire que je dis noir parce que c'est la couleur que mon cerveau a donnée à la chose. Ça ne veut pas dire que c'était noir. Ça veut tout simplement dire peut-être que l'énergie était chargée. En tout cas, sur le moment, j'ai vu la chose comme étant noire, mais quelque chose me dit que ce n'était pas non plus la couleur noire. C'était comme un mélange de couleurs très foncées qui, selon moi, était une sorte de rassemblement, on va dire, d'énergie très forte. D'accord. Comme une forte présence. Et qu'est-ce que tu crois, pourquoi cette énergie, elle est arrivée là, et puis pourquoi tu l'as sentie aller vers ton corps? Tu crois qu'elle allait faire quoi? Alors, ça, c'est les questions que je me suis posées après le réveil. Hein. Donc, même les jours après, donc, j'ai ruminé ce qui m'est arrivé. Je m'étais dit, est-ce que c'était pas un rêve, hein, tout ce qui m'arrive? Parce que c'est vrai que quand ça vous arrive, vous vous posez la question, est-ce que c'est pas un rêve? Bah oui. Mais surtout, tu m'en avais pas parlé, en fait, tout de suite après. Oui, parce que sur le moment. Ça fait longtemps avant de m'en parler. Sur le moment, je m'étais dit, j'ai sûrement rêvé. Ouais, c'est sûrement un truc où j'étais totalement en train de dormir, totalement dans mon monde. Et ça m'est arrivé parce que j'avais peut-être vu 2-3 trucs comme quoi les gens pouvaient faire des rêves lucides, des projections astrales, etc. Mais ça ne me sortait pas de la tête, cette idée d'énergie noire et de transfert d'énergie de l'esprit qui sort du corps, ça ne me sortait pas de la tête et je voulais me renseigner. Je suis allé voir sur Internet, hein, donc tout ce qui est projection astrale, voyage astral, etc. Et j'ai vu que beaucoup de monde faisait ça par plaisir. Apparemment, ça se fait assez rapidement, assez facilement, une fois que vous avez pris l'habitude de le faire, donc de sortir du corps. Il faut juste, encore une fois, se détacher du corps, être vraiment relâché. Et ça vient très naturellement. Une fois que vous avez fait, on va dire, le premier passage qui est difficile, se détacher du corps, on va dire que vous avez plus de facilité. Voilà, ça vient naturellement. Après, c'est facile. Et j'avais vu des témoignages sur Internet, comme après, je ne sais pas si certains vont un peu enjoliver leurs histoires ou on va dire vont rajouter un peu de fantaisie dessus.
Mais en tout cas, moi, tout ce que je vous ai raconté, c'est tel que j'ai pu le vivre, hein, donc j'ai rien modifié. Et sur Internet, il y a eu également d'autres internautes qui apparemment auraient vécu un peu la même chose que moi. Donc, c'est-à-dire qu'ils seraient sortis de leur corps, tout naturellement, hein, donc ça peut arriver à tout le monde, et qui auraient également vu cette énergie noire, on va dire, cette énergie, cette masse, on va dire, Ce condensé ce d'énergie. condensé d'énergie, qui se dirigeait également très rapidement vers leur corps physique. Et certains étaient également effrayés, certains écrivaient, mais je sais pas ce que c'est, j'hésite à refaire une sortie astrale, j'hésite à refaire un voyage astral suite à ça, parce que j'ai peur de recroiser ça. Mais c'est vrai qu'ils soulignaient tous que sur le moment, ils n'avaient pas peur, hein. Sur le moment, la peur n'est pas là, n'est pas présente. Quand vous rencontrez cette énergie, vous la voyez passer d'un côté à l'autre. Mais c'est après coup, quand vous vous réveillez et que vous posez des mots sur ce qui s'est passé, vous posez des étiquettes Et sur que ce qui s'est ton passé. cerveau commence à interpréter ce que tu as vu et il te dit, Voilà. ça c'est inconnu, alors ça fait Voilà. peur. Votre cerveau veut expliquer, hein, ce qui s'est passé. Il déteste l'inconnu. Donc tout Ouais. ce qui s'est passé, il va mettre une étiquette, un mot dessus. Et le mot que certains ont eu, donc l'étiquette que certains ont posée dessus, c'était que ben, c'était un démon, ou c'était une énergie négative qui venait vers votre corps pour peut-être le posséder ou je ne sais quoi. Personnellement, moi, je vous le dis en vérité, je n'y crois pas, hein, ces possessions. Moi, je crois plutôt que c'était une énergie qui venait vérifier si mon corps était encore, on va dire, en vie, parce que j'ai pu voir également sur Internet que certains disent que c'est justement une entité qui vient vous rappeler dans le corps, qui vient dire, ben, vous n'avez rien à faire là. Parce que ce n'est pas votre plan de réalité. Certains associent ça, entre guillemets, à la faucheuse. C'est une image très, 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 Imagée en fait. très imagée, hein, Ouais. mais il ne faut pas la prendre à la lettre, on va dire. C'est pas, elle ne vient pas vous couper, elle ne vient pas vous tuer ou autre. C'est une image, hein, qui vient dire, ben, tiens, c'est une énergie qui est là, qui se rend compte que dans son plan de réalité, il y a un individu, il y a une entité qui est là, qui est nous, qui sommes nous. Il se dit, tiens, donc son corps doit être pas loin, où il se passe un truc, où je vais me relier à son corps, je vais voir ce qui se passe. Peut-être que certains disent qu'il vient juste vérifier si on est décédé ou pas, pour voir, et dans quel cas, si on n'est pas décédé, entre guillemets, il viendrait nous réveiller, D'accord. pour rejoindre notre corps, pour quitter la partie dans laquelle on n'a pas lieu d'être. Donc ça peut faire peur, et certaines personnes ont justement souhaité ne plus refaire de voyage astral, pour éviter de recroiser ou d'avoir peur de faire un faux pas. Et de peut-être certains disent ils ont peur justement que ça puisse aller plus loin et qu'ils se perdent dans ce monde etc. Ou qu'ils retrouvent plus leur corps, qu'ils se réveillent plus. Encore une fois, moi c'était pas le cas. Moi quand j'étais sorti de mon corps, j'étais tout à fait tranquille. J'avais pas peur. J'étais on va dire à l'aise avec ce qui se passait autour de moi. Et quand j'ai vu cette énergie qui se dirigeait vers mon corps, je me suis dit je vais la laisser faire. Je sais ce qu'elle va faire. J'étais conscient et elle va me réveiller. Et je me suis retrouvé réveillé. Ouais, mais c'est vrai que moi après j'ai fait du coup des recherches là-dessus aussi. Et comme tu dis, il y a beaucoup cette peur d'être coincé dans l'autre partie, dans l'autre monde, que notre corps, on va dire notre âme, ou je sais pas trop, perde notre corps physique. Mais au final, je pense qu'on est relié. On a un lien très fort avec notre corps physique. Et par exemple, si tout d'un coup ton corps physique a besoin de toi, Il va te le faire Il savoir, va te le il va faire te savoir et rappeler. tu vas être rappelé à ton corps. Si tu as besoin Exactement. d'aller aux toilettes, si tu as besoin. Bien sûr. Si quelque chose dans ton environnement physique réel, enfin, il y a quelque chose qui tombe dans ta chambre, enfin, quelque chose et ton corps physique a besoin de toi, ton corps, ton âme, va revenir. Bien sûr. Et ouais, c'est un lien fixe, quoi. C'est d'ailleurs ce que j'ai pu voir sur Internet. Certains, quand ils sortaient de leur corps à répétition, donc ils faisaient ça habituellement, hein, pour plaisir ou par curiosité. Ils sentaient quand même une certaine aspiration vers leur corps, de telle sorte que quand ils sortaient de leur corps, ils devaient tourner leur perception ailleurs. Car s'ils regardaient leur corps, ils se Ah. sentaient happés à l'intérieur, ils se sentaient réveillés. Ouais, parce que moi je voulais te demander si tu avais regardé ton corps quand tu étais dans le plafond. Justement, non. Tu l'as pas Je l'ai regardé. pas regardé. D'accord. Je savais qu'il était là. Je sentais une forte présence de vie. Hein. Je sentais qu'il y avait quelque chose en dessous. Ouais. Mais je l'ai pas regardé parce que je savais ce que c'était. Je savais que c'était moi. Et c'était pas ça qui t'intéressait en Non, fait? car quand vous sortez du corps, vous avez vraiment envie de regarder autre chose que votre corps. C'est-à-dire que, comment vous dire, c'est vrai qu'après coup, on pourrait se dire, tiens, mais je suis curieux de voir mon corps avec un œil extérieur, voir comment on me regarderait. Mais c'est très différent. Quand vous êtes dehors, vous regardez votre environnement et votre corps est beaucoup moins important. C'est très bizarre. C'est comme si finalement, votre corps n'était pas vous. C'est comme si vous étiez déjà sorti. Ça ne sert à rien de le regarder vu que vous n'êtes plus là. Ouais. C'est très bizarre à expliquer et à comprendre, mais c'est le cas. C'est pour ça que moi, je me suis dit, tiens, je suis ma chambre, mais j'ai envie de voir ailleurs. J'ai envie de voir le salon, j'ai envie d'aller voir peut-être si je vois des autres énergies,
voir comment c'est à l'extérieur. Mais c'est vrai que sur Internet, certains témoignent, après avoir fait plusieurs sorties astrales, que le simple fait de regarder leur corps, ils ressentent une aspiration et ils sont happés, on va dire, par cette énergie vitale et ils sont réveillés. C'est leur corps, hein, donc c'est le réveil. Et moi, je sentais que malgré le fait que j'étais en dehors du corps, je sentais quand même une sorte de liaison. Je me sentais, on va dire, je sentais cette, on va dire, cette présence, cette chaleur de vie, on va dire. Et malgré le fait que j'étais au salon, je savais où j'étais. Je savais où est-ce que mon corps était. Et encore un truc que je voudrais rajouter aussi par-dessus tout ça. Moi, je l'ai pas, j'ai pas pu le vivre. Hein, et encore une fois, j'étais assez déçu parce que je voulais justement aller voir à l'extérieur. Hein. Mais certains ont dit qu'ils ont pu tout simplement voyager dehors. Ils sont sortis de leur maison, ils ont pu aller. Mais encore une fois, c'est très rapide. C'est-à-dire que des fois, on va dire, se téléportent entre guillemets à la maison de leurs parents, à la maison de leurs proches, comme pour les voir ou pour voir si tout va bien. Mais c'est tout instantané alors qu'ils sont peut-être dans un autre pays. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. La relation de distance et de temps n'est plus valable dans ce monde. Il n'y a plus de distance, il n'y a plus de temps. Il y a autre chose, c'est-à-dire que vous êtes dans une sorte de toile de conscience, vous êtes, c'est très particulier à expliquer. Et certains racontent que justement, en sortant de leur corps et en voulant aller voir un peu trop loin, et en restant trop longtemps, ils se sentaient cette force corporelle qui devenait de plus en plus forte. Ils pouvaient de moins en moins rester dehors. Plus le temps passait, on va dire plus le temps, on va dire le temps n'existe pas, mais plus ils restaient, on va dire, dans cette réalité, plus ils sentaient qu'ils avaient moins de force à rester dedans. Ils se sentaient de plus en plus réveillés, on va dire. Donc, à mon avis, on ne peut pas y rester indéfiniment. Non, bien sûr, bien sûr. Ouais, on peut pas faire un voyage de plusieurs Bien heures, sûr bon, que si non. on peut appeler ça des heures, du coup, en termes humains. Voilà. Mais effectivement, je pense qu'il y a une limite, et puis notre corps physique a besoin de nous, et puis c'est pas notre place, on va dire. Tout à fait, voilà. J'avais aussi vu d'autres témoignages comme ça, youtubeur que j'aime bien, qui a bientôt 1 million d'abonnés sur YouTube, vraiment intéressant. C'est un Américain, je vous le mettrai dans la barre de description si jamais, qui justement fait assez habitué à faire ce genre de voyage astral. Et puis, il était sorti de sa maison et il avait été dans la station-service, pas très loin de chez lui. Puis il avait vu, du coup, parce que là c'était durant la journée, il faisait juste une sieste. Et il avait vu une dame, donc une dame blonde, qui était à la caisse. Et quand il s'est réveillé après cette expérience, il se souvient de s'être habillé pour aller voir si cette dame était vraiment à la caisse, pour savoir s'il n'avait pas rêvé, justement. Et puis effectivement, il avait vu cette dame, puis il était là. Ah oui, d'accord, mais c'est une dame qu'il n'avait jamais vue. Donc c'est pas comme Voilà. s'il pouvait avoir son visage en tête déjà, puis rêver de cette personne. Là, vraiment, il n'avait pas vu cette dame. Puis il dit, ah bah c'est elle, donc j'ai vraiment pas rêvé. Donc ouais, c'est assez fou. Y a d'ailleurs un reportage suisse sur une émission qui s'appelle 36-9. Ah oui, ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Je crois pas. Où il y a justement eu quelqu'un qui faisait ses sorties astrales. Ils ont fait une thématique sur la projection astrale. Tu pourrais le mettre en description aussi. Ouais. C'est ce lien de la vidéo 36-9. Où ils ont parlé de ces gens qui faisaient des sorties astrales et ils ont interviewé quelqu'un qui pouvait le faire à tout moment. C'est-à-dire que lui, il était réveillé et il l'a fait sur le moment quand le caméraman lui a demandé de le faire. Et ils lui ont demandé de dire, est-ce que vous pouvez aller à la boulangerie et aller vérifier combien de personnes il y a, etc. Ils ont fait le test et c'est vrai qu'en quelques secondes, il s'est déconnecté de son corps, donc on le voyait vraiment comme s'il perdait vie, mais on va dire qu'il était réveillé, on le voyait assis. Mais on voyait son visage devenir très, 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 très détendu, comme s'il était inconscient. Mais pourtant, sa présence vitale était là, hein, on va dire. Hein. Son corps était en vie. Mais on sentait que quelque chose l'avait quitté pendant quelques secondes. Et là, il y a eu un silence pendant l'émission. Et 2, 3 secondes après, il est revenu à lui. Et il a dit, écoutez, il y a telle personne, il y a même quelqu'un qui a un tatouage derrière l'oreille, il y a même, ils vendent ça, et vous pouvez aller vérifier. Ah, c'est Et fou. effectivement, ils sont allés voir, et c'est vrai qu'il avait même compté le caméraman qui était à la boulangerie. Oh là là, Donc OK. ça, tu pourras le mettre en description également, et c'est une vidéo, hein, Ouais. c'est une émission qu'ils ont Ouais, mais fait. c'est une émission sérieuse en plus, 36-9, 36-9. oui, ils ont fait ça, c'est Mais. en 2012, je crois, ils ont fait ça. Ok. Et il y a des gens qui arrivent à sortir de leur corps, apparemment, très facilement. Ouais. Hein, je pense que ça dépend de selon les pensées limitantes qu'on a, ou tout simplement comment notre cerveau... on va dire travail, on va dire que pour la majorité des personnes, c'est plus facile de passer par la paralysie du sommeil. Parce qu'on a vraiment cette barrière qui est beaucoup plus fine entre, on va dire, notre inconscient et notre conscient. Et c'est là, on va dire, on arrive
à battre notre conscience, notre force consciente, parce qu'on l'endort un petit peu, on va dire. Hein. Elle est un petit peu endormie. Mais certains arrivent à le faire sans ça. Ils arrivent à la rendre silencieuse, entrer dans un état de méditation vraiment très, très rapidement. Et ça devient, c'est vraiment impressionnant. Ouais, au final, tout le monde peut le faire. C'est juste que, comme tu disais, ça, si tu as une peur, si tu as vraiment peur de le faire, tu ne vas pas le faire, en fait. Non. Donc, vous allez avoir peur, vous allez avoir ces inquiétudes, et vont être très envahissantes, et vont vous empêcher de vous déconnecter. C'est ça. Il faut vraiment lâcher prise. Et c'est ça qui est très compliqué à faire. C'est comme, mais du coup, cette paralysie du sommeil, qui est du coup, est quand même un peu liée au voyage astral, mais qui n'est pas le voyage astral, quand au final, on se sent dans son corps physique, on se sent paralysé, donc il n'y a pas notre corps qui sort du... Enfin, il n'y a pas notre corps qui sort du corps. Et où du coup, il y a ces gens, et ça, franchement, sur Internet, il y a des milliers, des centaines de milliers de témoignages de gens qui voient la même chose tout le temps, qui voient ces ombres qui se posent sur eux, qui leur font vraiment peur. Et ça, c'est vraiment... en fait, ça grandit aussi avec ta peur. Si, en fait, tu es paralysé, et du coup, tu sens que t'es paralysé, ça te fait peur. Tu commences à entendre des bruits, ça te fait peur parce que tu peux pas bouger. C'est un cercle vicieux, en fait. Et ça augmente et ça augmente. Et du coup, tu vois vraiment des choses qui... Voilà. Ouais. Alors, on verra du côté scientifique. Mais soit c'est parce que... Donc, côté scientifique, c'est ton cerveau qui a des réactions comme ça. Soit c'est parce que tu as peur et donc tu manifestes la peur devant toi, en fait. Voilà, c'est très différent, hein. Être paralysé, enfin être en paralysie du sommeil et subir, on va dire, des hallucinations auditives et visuelles, ça se fait, ça arrive à beaucoup de monde, hein. Tu en expliqueras après comment ça se passe. Mais là, c'est vraiment utiliser la paralysie du sommeil comme une sorte de passerelle. On va pas y rester. Ouais. Il faut vraiment savoir qu'on se détache du corps. C'est-à-dire que quand moi j'ai vu cette énergie noire, on va dire, se diriger vers mon corps, et quand j'étais au salon, je ne subissais plus ces hallucinations, en tout cas, je n'étais plus dans mon corps. C'est très différent. On peut très bien être en paralysie du sommeil et ne pas sortir du corps. Voilà, ça arrive tout le temps, ça arrive à tout le monde. Sortir du corps, c'est une autre étape. Et c'est difficile à faire. Et ouais, puis bon, il y a des étapes. Bon, après, on va pas trop en parler ici, ça va faire un très très long épisode. Mais il y a des étapes un peu à suivre pour sortir du corps. Est-ce que toi, tu les connais? Est-ce que tu as envie qu'on explique ou bien... Oui, alors il y a quelques étapes, effectivement. Je me souviens que moi, les seules étapes qui m'étaient venues en tête, hein, après avoir fait cette première expérience, donc je me suis un peu renseigné. Et quand je voulais réitérer l'expérience, les seules étapes qui me viennent actuellement à l'esprit, c'est que lorsque vous êtes dans cet état de paralysie du sommeil, à moitié réveillé, à moitié endormi, vous devez vous concentrer sur chacune des parties de votre corps comme si elles se décollaient, comme si elles se détachaient de votre corps. Comme si vous enleviez la peau, en fait. Comme si on vous enlevait, vous décolliez une feuille d'une autre. Mais du pied à la tête. D'accord. Des pieds à la tête. Vraiment, vous sentez chaque petite partie du corps se lever. Voilà. Vous vous sentez vous décoller et vous allez les sentir. Et aussi, une chose que vous pouvez faire, c'est apparemment, moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de refaire cette projection astrale avec ces techniques, mais je pense qu'elle doit fonctionner aussi, c'est de sentir comme si votre corps était un poids, une enclume, une sorte de poids très lourd qui s'enfonce dans le lit et votre esprit, lui, va rester un peu au-dessus. Il est très léger et votre corps est très lourd et ça va accentuer l'idée que la paralysie vous paralyse vraiment. Ouais. Ça va accentuer cette force qui vous maintient dans votre corps. Et c'est à ce moment-là que votre esprit, comme il est très léger, très clair, on va dire, il va tout simplement se détacher. Voilà, il va, ouais. Voilà. S'envoler un peu, comme si c'était une plume. D'accord, ok. Oui, parce qu'après, il y avait d'autres techniques, comme le fait de s'imaginer justement se redresser. Donc vraiment faire l'intention de se redresser, mais pas physiquement. Donc vraiment s'imaginer se redresser tout en ayant son corps posé sur le lit. Et puis par exemple, attraper une corde avec les mains. Et monter la corde. Ouais, voilà, tout part dans la visualisation. Ouais. Une fois que vous êtes dans cette étape-là, il faut juste visualiser. Parce que c'est ça qui va vous permettre vraiment de décoller, de vous détacher du corps physique, en fait. C'est vraiment ça. Il y a une technique qui me revient en tête. Quelqu'un avait écrit sur Internet une méthode qui avait fonctionné pour beaucoup d'internautes. C'était qu'il fallait visualiser un point noir sur le mur devant vous. Donc, vous êtes couché sur votre lit. Vous attendez que vous êtes paralysé, vous êtes dans cet état où vous avez un peu les yeux mi-ouverts, vous êtes un peu paralysé. Vous visualisez un point noir sur le mur devant vous, le mur blanc.
et vous le suivez des yeux, vous le visualisez monter au plafond et passer derrière vous. Il faut que vous le regardiez, mais vos yeux n'arriveront pas à le suivre. Ça va induire votre corps, ça va le forcer à se tourner. Mais comme il sera paralysé, c'est votre esprit qui va sortir pour suivre ce point. Et vous vous retrouvez au plafond en train de suivre ce point-là. C'est très imagé, hein, encore une fois. Mais voilà, il faut faire en sorte que vous suiviez un point avec vos yeux jusqu'à un passage où vos yeux n'arriveront plus à suivre, hein, parce qu'ils seront bloqués, on va dire, dans leurs orbites. Mais comme vous serez paralysé et que vous serez tellement détendu dans votre corps, votre esprit, lui, ne sera pas bloqué. Il va vouloir suivre ce point. Donc il va, pour ce faire, on va dire, sa conscience va sortir de votre corps, on va dire. Mais ça a essayé, j'ai pas encore essayé cette technique-là, mais selon beaucoup d'internautes, ça fonctionne. Et j'ai tendance à croire que c'est des techniques qui marchent parce que j'ai pu moi-même vivre cette expérience de projection astrale. Et je pense qu'il doit y avoir beaucoup de techniques qu'on ne connaît pas. Il y a aussi la technique du coup du en fait tout dépend du moment que tu le fais parce qu'il y a certaines personnes qui arrivent à le faire n'importe quand et il y a d'autres personnes qui en fait juste avant de dormir c'est pas la bonne méthode parce que ton corps est tellement fatigué, ton corps physique est tellement fatigué que quand tu vas arriver à ce point de relâchement où ton corps est vraiment bien relâché et là où tu pourrais sortir, ben tu t'endors. Et donc du coup, ça, c'est pas le bon moment pour essayer. Même moi, j'ai essayé de le faire et j'avais cette sensation de vibration, que j'avais l'impression que ça me faisait peur en fait. J'avais tout vibré autour de moi, j'avais l'impression que j'allais et au final, je me suis endormie. Voilà, Et aussi, j'ai eu peur. C'est vrai que j'ai eu peur. En fait, j'ai commencé et je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose, je me suis dit non, non, j'ai eu trop peur et c'est trop dommage parce que mais, il faudra que je c'est réessaye. normal, encore une fois, voilà, c'était la preuve que le cerveau était encore trop présent. C'est ça. Hein, ça veut dire qu'il a réussi à t'induire la peur, il a réussi à induire le sommeil. Il s'est dit, bah non, on dort, c'est mieux pour toi, ça fait peur, allez, dors. Le Laisse matin, tomber. c'est encore mieux parce que votre cerveau, il est encore un petit peu endormi. Il est un peu encore dans cet état de sommeil et vous avez déjà assez bien dormi, du coup, il aura moins de force pour vous convaincre de dormir. Vous êtes déjà assez reposé et il ne sera pas non plus très affûté parce que c'est le début de la journée, il vient de se réveiller, c'est pas la fin de la journée, vous n'avez pas encore travaillé. T'as pas Enfin, encore toute ta conscience exactement. mentale, Du coup, il faut genre. profiter à ce moment-là pour se battre avec lui et en prendre le dessus. Vaincre avec votre inconscient, c'est là où votre inconscient aura le plus de force. C'est là où la lune, on va dire, hein, a la plus de force parce que c'est la nuit, entre guillemets, c'est le début, qui va vaincre le soleil, hein, donc le jour, hein, si on peut imaginer ça. Mais ouais, du coup, si vous voulez tester de votre côté, essayez plutôt de le faire après une bonne nuit de sommeil. Imaginons 6-7 heures de sommeil minimum. Et quand vous vous réveillez, vous testez ça un week-end par exemple, ou durant vos vacances, vous vous réveillez. Ce qu'il faut faire, c'est se lever, aller boire un verre d'eau, aller aux toilettes, enfin voilà. Après quelques minutes, se recoucher. Mais pas trop de minutes. Bah, bien sûr, Parce il qu'il faut faut pas non plus garder être. Voilà. cette bulle, ce nuage autour de nous, comme si on avait Exactement. envie encore de continuer à dormir. Et après se reposer, enfin se Se recoucher. coucher comme si on allait dormir. Mais rester très conscient. Faut rester très conscient. C'est là le piège, hein, c'est que. Je sais pas si vous entendez, mais il y a quelqu'un dehors qui fait un peu l'indien, qui fait des bruits bizarres. Donc on a ouvert la fenêtre parce qu'il fait chaud. Donc si vous entendez un petit peu du bruit, c'est à l'extérieur. Alors voilà, donc il faut rester, voilà, comme je disais avant, faut rester conscient. Mais c'est là la grosse partie qui est difficile parce qu'à ce moment-là, vous allez sûrement vous rendormir. Vous allez sûrement subir plein d'échecs en essayant de le faire. Il ne faut pas vous décourager si ça vous intéresse vraiment. Essayez à plusieurs reprises, levez-vous, recouchez-vous si vous avez l'opportunité de le faire, le week-end ou comme ça. Et vous allez voir que peut-être un jour, ça arrivera naturellement. Ça arrivera peut-être le jour où vous attendrez le moins. Hein, vous allez vous recoucher. Vous allez garder conscience et ça sera un jour où votre sommeil ne sera pas très fort et là vous allez vous rendre compte que vous êtes dehors. Voilà. Une chose intéressante à souligner, mais je ne vais pas faire trop long non plus, c'est que certains racontent qu'apparemment il y a donc ces plans de réalité. Et apparemment j'étais dans le premier, j'étais vraiment tout basique, j'étais dans le plan de réalité. Le premier qui arrive, c'est quand on sort du corps, voilà, on voit encore notre environnement physique, voilà, on sent les meubles, on sent la pièce en elle-même. Et certains racontent qu'on pourrait monter dans d'autres plans encore de réalité, encore plus élevés, de telle sorte à certains atteindre des points où ils arriveraient à parler, à communiquer avec des défunts. Communiquer, c'est un grand mot. Dans ce monde-là, il n'y a pas de communication verbale. Il n'y a même pas une communication visuelle marquée par signe ou autre.
tout est instantané. C'est-à-dire que les communications sont un peu comme si vous posiez une question à l'intérieur de vous-même, vous aviez la réponse avant même d'avoir posé. C'est très, très, très particulier. Certains racontent ça comme ça, certains racontent qu'ils peuvent également parler aux anges, hein, ou à des entités en matière de lumière, tellement les plans sont élevés. Et plus les plans sont élevés, moins la réalité est présente. Plus, on va dire, la réalité physique devient très, on va dire, floue. Ouais, mais plus on rajoute de calques, Voilà. moins on voit le Moins on dessin de voit le dessous, en dessin, fait, voilà. ouais, Et on plus voit on voit plus. d'autres choses. Il faut vraiment imaginer que c'est plusieurs étages, hein, et plus on monte dans les étages, des étages de verre, moins on voit le premier étage, moins on voit les meubles, moins on voit les choses. Tout devient plus flou. Mais à l'inverse, il y a des choses qui s'ajoutent, que l'on ne voit pas dans le premier étage. On pourrait vraiment parler de mille trucs, surtout que moi j'ai, enfin toi et moi, on a vraiment lu plein de choses là autour de, enfin plein de témoignages de personnes aussi qui avaient lu, enfin qui avaient vu, comme tu dis, des défunts, qui avaient pu les ressentir et tout ça. Et peut-être qu'on refera un autre épisode à ce sujet-là. Et du coup, en tout cas, ben on va s'arrêter là pour nous, comme ça moi je vais juste parler un petit peu de ce que la science en pense. Et en tout cas, merci beaucoup Miguel d'avoir participé à cet épisode, ça m'a vraiment fait plaisir. Mais de rien, c'est avec plaisir que j'ai raconté mon expérience. Ouais. Et du coup, bah, en tout cas, ce sera chouette de pouvoir refaire un autre épisode sur un autre sujet quelconque, parce que je sais que tu es aussi beaucoup dans le développement personnel et spirituel, ça t'intéresse aussi beaucoup. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup et à bientôt Miguel. À bientôt! Alors, au niveau scientifique, évidemment, c'est pas encore prouvé à 100% qu'il y a effectivement une sortie du corps. C'est encore un phénomène qui est en train d'être étudié et qui est étudié depuis plusieurs années. D'ailleurs, dans le reportage qu'on a mentionné lors de l'épisode, on va en fait suivre Nicolas Fraisse, qui est très connu en fait parce que c'est quelqu'un du coup qui fait régulièrement des sorties du corps et qui est actuellement en train d'être étudié depuis une bonne dizaine d'années maintenant, à l'Institut suisse des sciences noétiques, qui est un institut vraiment reconnu, qui en fait étudie toute la conscience et les états modifiés de conscience, notamment les expériences de mort imminente, mais aussi les expériences de décorporation. Ils ont d'ailleurs sorti un livre qui s'appelle Voyage aux confins de la conscience. Je ne suis pas certaine de l'endroit où vous pouvez le trouver, je sais que sur Amazon c'est possible, après je ne sais pas s'il est disponible en librairie. Mais du coup, voilà, son cas est vraiment étudié. Il faut savoir qu'environ 10% de la population est capable de faire des sorties hors du corps. Et je pense que plein d'autres seraient capables aussi. Il faudrait juste le tenter une fois. En tout cas, pour moi, c'est pas quelque chose qu'on peut forcément entièrement expliquer avec la science. Parce que dans le cas, par exemple, de Nicolas Fraisse, qui était capable de voir des choses alors qu'il n'était pas du tout au courant, de se téléporter avec sa conscience quelque part et de voir qu'il y avait une personne qui était comme ci, comme ça, qu'il y avait tant de personnes alors qu'il n'était pas au courant et qu'on lui fait faire le test comme ça sur le moment, je trouve que c'est assez fou. Et je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à découvrir et peut-être qu'on ne trouvera pas toujours une solution à tout. Mais voilà, moi qui crois vraiment qu'il y a autre chose, qu'il y a un autre plan de conscience, même plusieurs, enfin voilà, j'en suis un peu persuadée. Donc du coup, c'est vrai que quand je vois ça, ça m'apporte vraiment encore plus de confiance qu'il y a vraiment quelque chose et que c'est pas juste un ressenti ou juste quelque chose comme ça. Donc voilà, je ne vais pas vraiment trop m'étendre au niveau scientifique parce que sinon il faudrait que je vous sorte toutes les études qui ont été faites et qui vont toutes dire la même chose, que c'est un bug au niveau des connexions du cerveau, que du coup on a l'impression que si alors que ça. Enfin voilà, de toute façon, évidemment la science a des explications rationnelles à tout ça. Et peut-être que ces études, elles ont déjà plusieurs années et qu'aujourd'hui, on a vraiment un institut qui est consacré essentiellement à toutes ces expériences, mort imminente ou sortie astrale. Donc personnellement, c'est plutôt sur ces résultats-là et sur ces expériences que je vais me baser pour ensuite pouvoir donner mon propre avis et me dire oui, ça existe, oui, ça n'existe pas, parce que on a vraiment un cas d'une personne qui peut le faire régulièrement et là-dessus, la science peut vraiment travailler avec pour sortir de vraies théories et pas juste étudier quelques personnes qui l'ont faite. Parce que même les expériences de mort imminente, ça arrive une fois dans la vie. C'est rare que ça arrive deux fois. Et donc du coup, au final, on a peut-être
plein de personnes à qui ça arrivait, mais ça arrivait qu'une seule fois. Donc au final, c'est très difficile de pouvoir scientifiquement prouver quelque chose, alors que si on a un cas comme Nicolas Fraisse qui fait des sorties du corps de façon répétée et même à peu près maîtrisée, alors là, ça prend tout son sens d'étudier ce cas précis. Sur ça, je vais vous laisser ici. J'espère que ce format d'épisode vous aura plu. Je comptais vraiment refaire d'autres épisodes avec d'autres amis pour parler d'un sujet X ou Y. Tout dépendra de l'envie du moment. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cet épisode ou ce podcast, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.